question du management participatif. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu dans l'exposé un peu que j'ai voulu faire au début, et vous l'avez déjà même évoqué vous tous ici, c'est qu'on entend beaucoup parler de la participation, il faut engager les gens, et on sent bien les raisons pourquoi, hein, pour lesquelles c'est important d'aller dans des modalités de travail qui sont plus horizontales, qui permettent d'avoir une motivation, une concertation, voire une co-construction avec les agents ou l'extérieur. Cela dit, on a voulu l'intituler, ce moment-là, « Victoire », parce qu'on reconnaît la nécessité sur tout un tas de problèmes transversaux, systémiques, de management participatif, mais « Victoire et déboire », puisque chacun des intervenants ici a envie de témoigner sur l'ambiguïté, l'ambivalence ou les difficultés qu'il peut y avoir lorsque l'on met en place, ou le temps de mettre en place, un management beaucoup plus participatif. Alors pour commencer, on a les victoires et déboires dans le domaine de la fonction publique hospitalière, puisque on est là à Bruxelles, je crois que là vous avez des bons exemples à nous partager. Simplement, donc on essaie d'être un tout petit peu plus concis pour qu'on puisse aller au bout de notre réflexion collective et nos échanges. On ne parlera pas de déboire, mais plutôt de complexité à mettre en œuvre dans la fonction publique hospitalière, le management participatif. Tout d'abord, des éléments plus structurels, c'est la réglementation, c'est le patient qui est au cœur de nos préoccupations, c'est la taille de nos structures aussi, qui ne permettent pas à chacun de s'exprimer sur le fonctionnement. Notre obligation de donner des soins de qualité et de sécurité de manière égale à l'ensemble des citoyens. Et on a aussi cette obligation d'avoir une organisation performante qui ne peut pas répondre forcément aux desiderata des uns et des autres. On a également un contexte social où on voit où l'effritement du lien social s'observe de plus en plus, donc une difficulté à mobiliser les forces communes pour pouvoir aller dans une dynamique commune, et des tensions, on va dire, sociales, on voit l'actualité, qui sont paralysantes pour s'engager dans ce type de démarche. Donc on va régler les problèmes, on va essayer de négocier, d'apporter des solutions à un instant T, mais sans se poser et travailler à plus long terme avec les équipes sur des solutions plus durables et qui puissent répondre à nos impératifs aux uns aux autres. Néanmoins, l'hôpital public a montré depuis de nombreuses années qu'elle a pu pouvoir mettre en œuvre ce management participatif, déjà dans les différents types de management que l'on a à l'hôpital. Nous avons un management médical, administratif, technique, qui a su depuis de nombreuses années collaborer avec intelligence pour pouvoir améliorer nos organisations et nos fonctionnements, améliorer la prise en charge de nos patients. On est confronté chaque jour à ces difficultés de répondre aux impératifs des uns et des autres. Néanmoins, notre organisation, notre modèle de gouvernance nous permet de mieux nous organiser. L'hôpital public, maintenant, il a une approche plus territoriale. Donc, un hôpital ne décide plus tout seul dans son coin de l'organisation, de son fonctionnement, de cette modalité de prise en charge. L'approche territoriale, avec la mise en place des groupes hospitaliers de territoire, nous permettent de réfléchir à ce management participatif en lien avec les établissements qui composent ces groupements hospitaliers de territoire. Le management participatif aussi, il n'est pas forcément interne, il peut être aussi externe. De plus en plus, on fait appel à des experts externes, à des retours d'expérience d'autres établissements également, à des consultants, à des enquêtes internes ou externes pour pouvoir éclairer nos décisions. Donc on ne décide plus tout seul dans notre coin. Et on s'inspire aussi de nombreuses innovations qui stimulent notre pensée managériale. On parlait du design thinking tout à l'heure, le management émotionnel aussi. Donc il y a énormément de choses qui nous stimulent dans ce sens-là. Au CHU de Toulouse, on a souhaité se baser sur l'expérience agent. On a depuis de nombreuses années capitalisé sur l'expérience patient pour améliorer nos organisations, les prises en charge. Sur l'expérience agent, on a expérimenté l'été dernier une démarche qui s'appelle bac à sable. Bac à sable, ça consiste en quoi ? C'est en part de l'idée que dans le quotidien des professionnels, il y a une multitude de grains de sable d'origine diverse qui compliquent leur travail et qui perturbent la prise en charge des patients. Donc pendant plusieurs mois, on a permis à des professionnels d'un pôle médical d'exprimer les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien dans la prise en charge des patients. Donc les difficultés ont été recensées, il y avait des suggestions également, et au bout de quelques mois, l'ensemble des directions du CHU se sont mobilisées pour apporter à chacun des problèmes une réponse. Ça allait du petit problème le plus anodin, un problème technique, une prise mal
fixer un problème beaucoup plus large sur des carrières, sur des fonctionnements du service. Et au final, même si en première approche, on était un peu sceptique sur le projet, ça a été très enrichissant à la fois pour les équipes, avoir le sentiment d'être entendues, d'avoir des réponses concrètes à l'ensemble de leurs questions, et surtout l'ensemble des réponses apportées pouvaient être dupliquées à l'ensemble des autres services, et ça a profondément réinterrogé nos organisations, et toutes les directions, à partir de cette expérience-là, ont repensé leur organisation et ont changé des fonctionnements internes, des procédures pour répondre au mieux aux attentes des professionnels. Donc cette expérience très ponctuelle a profondément transformer notre façon de voir notre management et de s'enrichir de la parole des professionnels. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un exemple vraiment très intéressant et quand même aussi à nouveau original d'avoir centré une réflexion sur l'expérience des agents en mettant en place un nouveau dispositif pour pouvoir travailler dessus et apporter des réponses aux problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans leur quotidien. Je crois qu'on va continuer sur ce fil de l'expérience qui est un des mots clés, hein, avec l'expérience usagée cette fois-ci avec Sandrine Dussanti. Vous avez... Alors en fait, finalement, le management territorial, il s'oriente de plus en plus sur le management de la coopération, avec une évolution, on va dire, du leadership vers le membership, que ce soit en interne ou en externe. Et de plus en plus, le besoin d'expertise, finalement, des managers territoriaux s'oriente sur l'expertise d'usage. Voilà. Et donc le design de service public se développe, penser le service public à partir de l'expérience usagée. Ça peut être effectivement, on a beaucoup de d'outils, hein, qui vont aussi des budgets participatifs pour, on le sait par exemple à Paris, pour décider avec les usagers, jusqu'à l'évaluation de politique publique, l'association des usagers, par exemple quand on va construire ou rénover une nouvelle place pour penser les usages, qu'ils soient de jour, de nuit, les conflits d'usage qu'il peut y avoir, ce n'est plus le sujet des seuls urbanistes. Donc cette expertise d'usage, elle est de plus en plus prégnante. Et finalement, je pense qu'elle pose deux questions pour éviter les déboires. Maintenant qu'il est reconnu que l'administration n'a plus la légitimité de la définition de l'intérêt général, c'est comment créer un écosystème favorable à cette innovation-là. Quel cadre et quelles limites on peut poser à cette évolution. Alors pour créer cet écosystème favorable, au Centre national de la fonction publique territoriale, hein, ça ne va pas vous surprendre, on pense qu'il faut accompagner les managers dans les pratiques d'innovation pour répondre mieux à l'usager. Et donc on a une offre de formation qui s'est développée pour permettre aux managers de vivre l'innovation. Il nous semble que c'est important, qu'il faut être exemplaire, il faut l'avoir vécu pour permettre effectivement que dans l'ensemble de l'organisation, cela puisse se diffuser. Et puis, quel cadre et limites poser ? Donner le cadre d'emblée, c'est aussi que même si on est en concertation, la décision finale, ça ne va pas être la décision de chacun. Il va bien y avoir un moment donné où on va trancher et où certains usagers, citoyens, certains membres de nos équipes ne vont pas se reconnaître dans la décision qui a été prise parce qu'on écoute aussi tout le monde. Donc ça, c'est, je pense qu'il faut bien poser le cadre au départ, ne pas laisser d'ambiguïté là-dessus. Et puis, il y a quand même des sujets, on va dire, vitaux où, à un moment donné, il faut être clair sur le fait qu'on ne transfère pas la responsabilité sur un collectif. Je pense des sujets auxquels j'ai pu être confrontée quand j'étais en collectivité territoriale. Voilà, quand il faut décider de travaux d'office, faut y aller. La responsabilité, c'est la nôtre. Et on ne s'en remet pas à un grand collectif pour continuer à discuter longuement. Voilà. Merci beaucoup. On voit par rapport à ce que j'ai présenté au début, hein, les mots qui reviennent, hein, l'action d'expérience, d'usager, de centré utilisateur ou usager, d'écosystème, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit, mais c'est quelque chose qui est très présent dans la manière de penser l'innovation aujourd'hui. On le voyait, hein, quand on parle d'innovation dite ouverte, hein, qu'il y a des écosystèmes et de communautés à regarder. Je vais passer la parole à Ron Canuel,
et lui demander, du coup, dans l'éducation, est-ce que ce que vous avez pu voir et au Québec aujourd'hui, est-ce qu'on voit aussi apparaître des initiatives un peu nouvelles pour permettre ces modes de fonctionnement plus horizontaux, et est-ce que ça pose des difficultés, est-ce qu'il y a des ambivalences aussi sur la question de la responsabilité, de la décision ou autre? Oui, définitivement. Qu'est-ce qu'on peut voir présentement, c'est que il y a des virages qui se réalisent au Canada et au Québec au point de vue du changement. Je pense que les gens réalisent finalement qu'avec tous ces plans de changement dans le passé, tout ça n'a jamais vraiment abouti à un sentiment de succès, que les gens se sont dit, bon, voilà, c'est, finalement, on y est arrivé. Parce que finalement, souvent, les gens ne savaient pas où il fallait être après 3-4 ans. Et puis, ce qu'on voit quand même, vous avez utilisé le mot co-construction. Et j'avoue que dans la province de la Colombie-Britannique, c'est peut-être le meilleur exemple que j'ai pu voir de la co-construction où ils se sont dit, allons de l'avant avec un plan stratégique sur la réussite scolaire. Mais cette fois-ci, faisons d'une façon où on va co-construire, c'est-à-dire on va commencer et on va inviter tous les intervenants afin de se rassembler et d'établir et de construire le projet. Et ça a eu un succès très, très important. L'implantation de leur nouveau plan, ça s'est fait il y a environ 18 mois et ça s'est très bien fait. Très peu de résistance, très peu d'hésitation de la part des gestionnaires. Tout le monde était d'accord avec le plan parce qu'ils sentaient quand même un élément que ça leur appartenait. Ça, c'était leur plan aussi. Et je pense que c'est tout à fait critique. Le mot consultation, je vais vous dire, le mot consultation maintenant est un mot qu'on essaye d'éviter parce que souvent j'entends même un gouvernement va dire oui, nous avons consulté les citoyens et citoyennes, mais finalement il y a toujours des groupes d'intérêt particuliers, il y a toujours quelqu'un qui va dire oui, j'ai fait partie de votre consultation, mais finalement je n'étais pas d'accord avec ce que vous avez dit, alors je n'ai pas été consulté. Alors, ça fait qu'on y arrive quand même une sorte de cul-de-sac sur ces approches-là. Dans le monde de l'éducation, juste à terminer, il y a une réalité qui est assez unique aussi. C'est le fait que les gestionnaires sur l'ensemble, et je vous parle ici du Québec et au Canada et en Amérique, les gestionnaires ont une formation d'être avec les élèves, c'est-à-dire ils se sentent très à l'aise à agir avec les élèves. Là où il y a de gros problèmes, c'est d'agir avec des adultes. Et il y a très peu de formation. Et ce qui fait que souvent, quand j'interviens dans des commissions scolaires et au niveau des ministères présentement, et lorsqu'ils me parlent des changements qu'ils proposent et tout ça, une des premières questions que je leur pose, c'est quel est votre plan de communication? Avez-vous un bon plan de communication? Comment s'y prendre pour aller de l'avant? Et très souvent, je dois vous dire que leur plan de communication est minime. Et ils ne pensent pas vraiment à comment gérer ce changement. Parce que lorsqu'on parle de changement, on parle d'être humain. Un grand merci pour ce témoignage. Je crois que ça va très bien enchaîner avec Christian Battal, parce qu'on voit que dans ces mécanismes de co-construction, de consultation, ça ne gomme pas les problèmes d'opposition qu'on peut avoir. Perdure toujours des opposants, et donc comment est-ce qu'on navigue dans les eaux troubles du management participatif quand on se confronte à des terrains un peu durs? Christian Battal. Oui, alors effectivement il y a une évolution, et on a compris depuis un moment que les approches technocratiques directives ça marchait rarement, sauf dans quelques situations très particulières. Il y a quelques cas dans lesquels ça fonctionne. Enfin, sinon, c'est quand même le plus sûr moyen de faire échouer une démarche de transformation. Et donc, effectivement, on a développé beaucoup d'approches beaucoup plus participatives, etc. Et dans beaucoup de cas, ça fonctionne bien, il faut y aller. Mais néanmoins, il y a quelques cas dans lesquels c'est un peu plus compliqué. Soit parce que vous avez un projet dans lequel tout le monde ne se retrouve pas, qui est un peu imposé, qui vient d'en haut, de loin, et que vous avez un taux d'opposants extrêmement important. Et les approches participatives, les opposants dans vos ateliers, vos groupes de travail, vos cercles X ou Y vont détourner complètement la démarche. Et il faut de temps en temps passer à autre chose, donc à une phase de négociation. Je prends un exemple concret, une des dernières grosses réformes que j'ai accompagnées, c'était celle de l'inspection du travail, avec Jean-Denis Combroxel, qui était le DGT, Yves Calvez, son adjoint. Et
on a utilisé, investi une approche la plus participative possible au démarrage, mais il y a eu aussi ce qu'on appellerait plutôt une approche politique à un moment donné, c'est-à-dire que on a négocié, quoi. Enfin, voilà. Et on a échangé des choses avec les opposants, ce qui a fait que le rapport de force a un peu changé, qu'une partie des opposants sont passés ou soit sont devenus indifférents en disant on accepte, on ne le dira pas, mais voilà. Pour que ça passe, quoi. À un moment donné, il faut aussi faire ça. Et puis, il y a aussi des cas dans lesquels, quand les agents ou le corps social d'une structure se sent en crise, ben, les approches participatives, ça ne fonctionne pas très bien. Il faut aussi le dire. C'est-à-dire que ben, le mieux pour comprendre ça, c'est un peu la métaphore guerrière. Vous êtes en train de faire la guerre, on vous tire dessus, vous n'allez pas faire des commissions ou des ateliers avec vos agents pour savoir si on bat en retraite, si on riposte. Ou, voilà. Les gens, hein, dans ce cas-là, ils attendent un chef, un leader, et puis vloum, ils se rangent derrière parce qu'il n'y a pas trop le choix. Donc il y a des situations aussi dans lesquelles, il faut bien le dire, le participatif, ça ne fonctionne pas. Et moi, je me souviens un jour d'un directeur d'administration centrale que j'avais vu de loin parce que j'accompagnais un autre projet qui avait envoyé dans le mur un gros projet de changement avec une approche technocratique, et puis que je revois 5 ans plus tard, qui venait de faire échouer un deuxième projet, en disant « mais je ne comprends pas, cette fois-ci j'ai été participatif ». Oui, mais non, parce que cette fois-ci, il avait de véritables opposants coalisés, plus d'une majorité d'agents, il faut faire du participatif, mais ça ne suffira pas. Il faut être clair avec ça. Il aura dû faire, donc, du coup, l'école d'innovation. Absolument, voilà. Il aura su. on va bientôt clore cette partie Victoire et Desbois. Je vais proposer, donc, du coup, à Pierre Bénard de réagir à ça, mais aussi d'introduire le troisième point. Et ce troisième point, je crois qu'il vous tient à cœur, Pierre Bénard, parce que l'idée, c'est ne pas attendre le grand soir de l'innovation, c'est commencer peut-être par des petits pas, tout de suite, et puis surtout, je crois, changer sa posture. Enfin, il y a une idée de comment on se positionne par rapport à ces changements-là. Donc peut-être vous pouvez à la fois conclure et puis nous amener vers notre troisième moment ensemble. Je vais faire deux en un. oui, il faut prendre aussi en fonction du contexte, mais sur tout ce qui est l'innovation, le participatif. Moi, j'ai dans les différents conflits sociaux, vous savez, quand dans les préfets de département, il y a beaucoup d'entreprises qui en appellent au préfet quand c'est un peu la bagarre chez eux. Et parfois aussi dans l'administration. Et 90% des conflits sociaux auxquels on va avec nos amis de la directe, c'est des problématiques non pas de fond, mais de comportement des managers. Et principalement des managers intermédiaires, en tout cas en ce qui concerne le secteur privé. Et donc, j'allais dire, on peut avoir... des magnifiques instruments pour mettre en place tout ça. On peut avoir, j'allais dire, tous les anglicismes possibles. On peut avoir un savoir-faire formidable. Mais pour moi, à mon sens, la priorité de la priorité, c'est le savoir-être. Et je crois que si on ne travaille pas sur, pour reprendre nos anglicismes, le top management, et le management intermédiaire, sur d'abord travailler sur le savoir-être, on peut toujours essayer de mettre en place des réformes, elles n'y arriveront jamais. En gros, le management par la terreur, ça ne mobilise pas, ça démobilise et ça détruit. Et donc, il y a là très nécessairement un vrai besoin. Et puis, et ça me permet d'intervenir dans la deuxième partie, il se trouve que, comme préfet, je travaille dans une administration extrêmement hiérarchisée et extrêmement structurée. Et pourtant, il faut, comme on l'a dit, c'est-à-dire le grand soir, faut laisser ça à nos amis révolutionnaires, mais il faut avancer pas à pas. Et donc, il faut travailler là-dessus. Donc, priorité, le savoir-être. Deuxième priorité, savoir dégager ce qui peut être innovant ou pas. Dans nos fonctions, j'allais dire, la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, objectivement, je suis assez peu participatif. Par contre, dans la conduite d'un certain nombre de mises en place de politiques publiques, j'ai l'habitude de dire, et il y en a quelques-unes qui sont là, c'est mon expression favorite, on doit travailler en meute. C'est-à-dire que il faut qu'on se mette tous ensemble et qu'on travaille plutôt... Yamina, elle a l'habitude, hein, qui m'a été volée par la DREAL, on doit travailler en meute et
on doit vraiment s'accrocher. Et je crois que c'est comme ça que l'on peut fonctionner, et c'est comme ça qu'on peut mettre un certain nombre de modes projets en fonction d'un certain nombre d'attributions que l'on a. C'est pas évident dans le régalien, parce que y compris dans notre mode de fonctionnement de préfet ou de sous-préfet, on a ce sentiment hiérarchique, parfois surjoué, souvent surjoué, mais aussi qui est nécessaire. Quand on est en termes d'ordre public, quand on est en termes de terrorisme, quand on est en termes de sécurité publique, ce qu'on nous demande, ou de sécurité civile, c'est décider vite et bien. Et là, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on est face à une offensive, on ne fait pas un comité de soldats, il faut y aller. Hein. Donc il y a cette difficulté, mais je crois que c'est quelque chose qui avance et qui infuse maintenant chez les managers et donc chez les directeurs d'administration centrale ou autres. Mais voilà, je crois aussi que ce qui conditionne ce management, c'est la transversalité. On a l'habitude de travailler en tuyau d'orgue. Nous, on travaille beaucoup sur l'interministériel, mais si on ne travaille pas beaucoup plus en transversalité, y compris dans des métiers différents où au moins on essaye d'apprendre. Moi, je fais des réunions avec tous les chefs de bureau où je demande aux chefs de bureau de raconter ce qu'ils font, parce que des fois, on s'aperçoit que, alors que ça fait 20 ans qu'ils sont en préfecture, ils ne savent même pas ce que l'un fait par rapport à l'autre. Donc, il y a vraiment besoin de transversalité et un peu de souplesse. C'est-à-dire qu'on peut nous demander de faire tout ce qu'on veut dans l'innovation. Si on ne nous donne ni la souplesse, ni la déconcentration, deuxième message, on n'y arrivera pas. Donc, ça sera des mots, ça sera une théorie, mais ça ne sera pas la pratique. Et puis, j'avais pris trois formules et après j'en termine là. Hein. On dit souvent il faut nous rendre compte. Donc au rendre compte, il faut aussi associer, je crois, savoir déléguer. Un ancien premier ministre disait si la confiance n'exclut pas le contrôle, il a raison. Ce contrôle, il sera toujours meilleur s'il est a posteriori ou si on ne flique pas dès le début, parce que là aussi, c'est le meilleur moyen de ne pas savoir déléguer. Et puis troisième point important, s'il est essentiel que l'information doit remonter, si elle ne redescend pas, elle ne fonctionne pas non plus. Et ça vaut pour tout, y compris pour l'innovation, où les idées doivent partir de la base, remonter, descendre. Donc c'est un ascenseur qui doit fonctionner dans les deux sens. Et pour conclure, il y a un ancien président de la République qui, parlant de son ministre, avait dit « je décide, il exécute ». Je crois que ça peut valoir pour l'exécutif. Mais en ce qui concerne le fonctionnement administratif, je pense que c'est extrêmement dépassé, mais qu'il faut trouver les limites. Et enfin, un bon manager, s'il n'a pas un peu d'empathie, s'il ne travaille pas son savoir-être, il peut avoir toutes les qualités du monde scientifique, technologique, il ne fonctionnera pas avec un management tel qu'on le demande maintenant. Là, je pense qu'on pouvait effectivement applaudir. Merci beaucoup.